Bonjour chers êtres vivants encore, toujours vivants et un peu plus vivants à chaque fois. Je vous parle d'une formation que je vois sous la forme de donne-toi-même sa forme à ton son, c'est-à-dire crée-toi-même qui tu es en accord avec ta cohérence, en accord avec la vie et le respect de la vie. Une formation pour les capacités spirituelles d'harmoniser les énergies du vivant, les énergies de la planète, de toutes les formes de dissension et de pollution qui puisse y avoir, que ce soit psychique, nanotechnologique, électromagnétique, mémoire dans les lieux. Et pour cela, donc, nous apprendrons à nous connecter à notre essence originelle, qui est la présence de qui nous sommes à la source. Avec, si besoin, le détail des autres dimensions dans lesquelles nous sommes, entre nous et la source, mais ça ne sera pas forcément utile. S'il y a besoin de faire des soins pour certains, nous les ferons, nous distinguerons là où vous êtes encore bloqué pour pouvoir vous permettre d'avoir accès à votre grandeur d'être divin qui est à pratiquer, hein, bien sûr, parce qu'on n'est pas dans la libération totale du jour au lendemain, bien sûr, même si nous y sommes, la compréhension de nos besoins de nous décharger du conditionnement du passé fait que ça prend toujours un temps, vous le savez, pour se mettre en place. Je reste très positif, hein. Regardez mes autres vidéos, je parle de plein de choses. Et donc, nous dialoguerons avec cette présence-là, en présence avec nous dans notre essence originelle, avec les esprits de la nature, avec des arbres. Nous étalonnerons l'eau et comment la faire changer vibratoirement, l'alimentation, nous regarderons les choses déjà dans votre quotidien, les pollutions électromagnétiques aussi. Et toutes les questions relatives à comment me libérer, comment devenir vraiment moi et trouver ma faculté d'esprit, ma faculté spirituelle de qu'est-ce que vous êtes venu faire, qu'est-ce que vous êtes venu délivrer comme message, qu'est-ce que vous êtes venu vivre avec vos fonctions originelles, parce que vous êtes une part de la source et vous avez une fonction originelle qui vous est propre, même si comme tous les autres, vous avez la fonction d'aimer et de partager l'amour, évidemment. Il y a des fonctions précises qui sont intéressantes à connaître pour pouvoir faire des soins ensuite sur le collectif, à tous les niveaux que j'ai cités auparavant, et à des niveaux dont on ne peut pas parler encore, mais à des niveaux assez très, très, très importants sur l'eau, les lacs, les rivières, des espaces de vie, de communauté, bref, les antennes. Comment vous protéger de certaines choses, déjà en vibrant en connexion avec l'essence originelle, ça protège de beaucoup de choses. Le truc, c'est d'arriver à y rester. Donc, c'est comment vous protéger pour y rester et comment faire des protections à ceux qui en ont besoin et qui vous le demandent. Et nous ferons donc beaucoup d'exercices pour étalonner votre ressenti, pour que les choses soient claires, pour que vous sachiez vraiment où vous êtes quand vous ressentez une chose, que vous sachiez que c'est ça et pas qu'il n'y a aucun doute en fait, quoi, hein, possible, voilà, je crois que j'ai tout dit, pour que vous soyez alignés tout le temps, dans toutes les expériences de toutes vos vies, c'est ce que je propose de toute façon, ça passe par le ressenti intérieur, si on n'est pas dans le corps, on ne peut pas être aligné, on ne peut pas être à sa juste place et avoir les infos justes, c'est impossible, donc voilà, c'est pas si compliqué que qu'il y paraît, hein. À partir du moment où on accepte d'être un arbre qui n'a pas été taillé, ça devient beaucoup plus simple parce qu'on se donne les proportions que l'on veut. On est avec soi-même et on décide de soi-même en cohérence avec la vie, totalement avec l'être divin, avec la vérité divine de tous les êtres vivants. Les arbres sont aussi lumière, comme tout le monde. Il n'y a aucune différence avec ça. Ils n'ont pas de pieds et de jambes pour pouvoir se déplacer. C'est pour ça que nous avons tout le reste pour pouvoir continuer d'harmoniser. C'est notre responsabilité. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de courage, beaucoup de foi, beaucoup de joie, beaucoup de paix et tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez avancer dans vos vies. Si vous souhaitez participer à ce stage de remise à niveau avec vous-même, de cohérence avec vous-même, contactez-moi sur ma boîte mail dialogue avec le vivant tout attaché ensemble gmail.com, dialogue avec le vivant @gmail.com ou laissez-moi des commentaires sur la chaîne YouTube. Et puis, je vous contacterai. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite tout ce qui est juste pour vous. À très bientôt.